Alors, de retour en live sur le Salon du Livre, pour la conversation, la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit, avec Philippe Courot, directeur de l'agriculture, Baptiste Sureau, chargé de mission Plan Climat de la Polynésie française, Gabriel Levieux-Noir, chef cuisinier, activiste de la transition alimentaire, et Manihi Lefoc, qui va modérer cet échange, directrice du village de l'alimentation et de l'innovation. Merci Laura, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui donc, pour cette conversation qui aura pour thématique la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Alors je vous propose avant de démarrer de passer le micro à nos trois intervenants que je remercie pour leur présence aujourd'hui de façon à ce qu'ils puissent se présenter à vous avant que l'on démarre les échanges. Donc, bonjour tout le monde, Philippe Courot, directeur de l'agriculture. Donc effectivement présent à cette table ronde parce qu'on est en train de travailler à l'élaboration d'un plan de transition alimentaire pour la Polynésie française et donc on aura l'occasion de revenir pendant la table ronde sur au moins une première présentation de ce qu'on appelle nous transition alimentaire vu du côté des politiques publiques. Bonjour, je m'appelle Gaby Levieux-Noir, je suis chef restaurateur activiste. Et je suis très impliqué dans la cinquième transition alimentaire à l'échelle de la Calédonie et puis en collaboration avec les îles du Pacifique. Voilà. Et je suis très heureux d'avoir cette conversation au Salon du Livre. Donc, merci aux organisateurs de faciliter cette conversation. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci effectivement pour l'invitation. Baptiste Sureau, je travaille sur la mise en œuvre du plan climat de la Polynésie française. Et on verra le lien qu'il y a entre cette transition énergétique, écologique et le poids de l'agriculture, de l'alimentation ici en Polynésie française. On reviendra dessus durant cette heure. Merci. Alors je vous propose, donc, effectivement, lorsque l'on organise chaque édition du village de l'alimentation et l'innovation, c'est vraiment quelque chose que l'on essaie de mettre en perspective, c'est-à-dire que tous nos faits, tous nos gestes, notre façon dont on agit au quotidien et notamment dont on s'alimente a forcément un impact sur notre environnement et surtout sur le monde que l'on va laisser aux générations futures. Que l'on s'en rende compte ou pas, par nos choix quelque part, on induit finalement le mode de consommation que l'on va laisser à la génération qui va nous suivre. Donc je vais laisser dans un premier temps la parole à Philippe. Donc, qui représente finalement le pays et la politique en fait, en tout cas, qui est en cours ou voilà, à venir pour la Polynésie. Philippe. Oui, merci. Donc, c'est le rôle un petit peu de l'administratif. C'est pas toujours forcément très folichon, mais en tout cas, c'est un travail. Alors, il faut se rappeler où on en était il y a un an, en pleine crise Covid. Où les personnes qui malheureusement peuplaient la réanimation de l'hôpital étaient toutes des personnes qui étaient en surpoids, si ce n'est obèses. Et c'est un moment assez douloureux hein, qui a marqué toutes les familles polynésiennes. Donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais il y a eu quand même une prise de conscience forte à ce moment-là de l'importance de l'alimentation pour la santé. Une prise de conscience qui s'est faite au niveau politique. Et c'est notre président du pays qui a lui-même pris l'initiative de réunir en urgence un petit peu les maires, les services concernés pour dire faisons quelque chose, il faut que les choses évoluent. Alors pour deux raisons. D'abord parce que la santé, c'est important pour tout le monde. Et donc évidemment, un des rôles des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que la population soit en bonne santé. C'est une de ses premières missions. Et puis, deuxième chose très concrète, c'est que les problèmes de santé, et notamment de santé liée à l'alimentation, coûtent de plus en plus cher pour le budget du pays et sont voire presque plus soutenables financièrement. Donc il y a vraiment nécessité de faire quelque chose. Donc on a, partant de là, commencé à réfléchir sur un plan de transition alimentaire qui a été lancé en 2021. Et on est sur la dernière étape en espérant pouvoir proposer un plan sur 10 ans aux décideurs politiques durant le premier trimestre 2023. Donc moi, je voudrais assez rapidement, hein, sans m'apesantir lourdement, on n'a qu'une heure, hein, et donc je vais essayer d'être court, mais qu'est-ce qu'on entend par transition alimentaire? D'abord, si on parle de transition, ça veut dire qu'on passe d'un état A à un état B. On part de là où on est pour aller vers autre chose. Donc il faut un petit peu caractériser tout ça. Alors où on en est aujourd'hui? C'est quoi le constat qu'on fait?
Aujourd'hui, d'une manière globale, mondiale, on est dans... Alors, on parle d'abord de système alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le système alimentaire? En fait, c'est un ensemble... On va apporter ça comme ça, un ensemble d'activités qui partent de la production d'aliments jusqu'à la consommation. Donc en fait, ça recoupe toutes les activités qui vont non seulement de l'agriculteur, mais également les entreprises qui fournissent les semences, qui fournissent les engrais, qui fournissent les équipements agricoles. Donc il y a toute cette sphère de la production agricole, puis il y a la sphère de la transformation, toutes les unités de production, enfin il y a la mise en marché, la transformation, l'achat dans les magasins de détail, la restauration collective et le consommateur qui achète, et on peut même dire, et malheureusement, les maladies qui éventuellement vont être conséquences de son alimentation. Donc tout ça, c'est le système alimentaire. Donc aujourd'hui, notre système alimentaire, il est caractérisé par quoi? On parle d'un système alimentaire qu'on appelle agro-industriel. Alors c'est bien sûr, en gros, la quasi-totalité des pays dans le monde vivent dans ce système agro-industriel à des degrés moindres, bien évidemment. Mais globalement, le système dominant qu'on retrouve quasiment partout, c'est ce système agro-industriel que je vais caractériser rapidement. Alors pourquoi en Polynésie, très simplement, on est dans ce système? 70% en gros de notre alimentation est importée. Donc elle vient déjà par bateau, elle est stockée, elle est transformée, ultra transformée parfois. On sait bien, vous le savez tous, que très probablement dans la journée, vous allez consommer un produit issu de l'agro-industrie alimentaire. Donc cette agro-industrie, elle a permis effectivement des avancées majeures, et c'est pour ça qu'elle s'est imposée progressivement sur la planète, avec une alimentation moins chère, accessible. Globalement, jusqu'il y a 2 ans, parce qu'aujourd'hui c'est la tendance inverse, il y avait quelque part de moins en moins de monde qui souffrait d'insuffisance alimentaire sur la planète. C'était en partie grâce à ce système agro-industriel. Mais il a aussi énormément d'impact négatif, à la fois sur l'environnement, parce que pousser à bout dans l'agriculture, en fait, c'est essayer toujours de produire plus, moins cher. Donc en mécanisant, en ayant des engrais, en ayant des produits chimiques, des pesticides, en ayant une agriculture de type agro-industriel. Et on en voit aujourd'hui les limites et les dangers. Les dangers notamment pour l'environnement, les dangers pour la santé, lorsque les pesticides notamment sont mal utilisés ou utilisés de manière inadéquate. Et même lorsqu'ils sont utilisés de manière adéquate, il y a des impacts environnementaux terribles, notamment sur tous les insectes, les abeilles, mais c'est un exemple, je pourrais en donner d'autres. Donc on sait maintenant que ce système n'est pas durable. On l'appelle aussi agriculture minière. Minière parce qu'en fait, on prélève des choses dans l'environnement qui ne sont pas remplacées et qui un jour arriveront au bout. Les sols se dégradent globalement, la matière organique n'est pas renouvelée. Donc il y a tout un tas d'éléments gênants. Et ensuite, dans la partie alimentation en elle-même, on sait aussi aujourd'hui que ces produits ultra transformés sont nocifs pour la santé, que le fait de passer à une alimentation assez équilibrée, à une alimentation avec des dominantes de sucre et de graisse, qui est vraiment la tendance et qui est finalement l'alimentation qui accompagne ce système agro-industriel, est une alimentation néfaste pour la santé, qui, si elle est appliquée sans discernement, conduit très souvent au surpoids, à l'obésité. Donc voilà le système agro-industriel, voilà d'où on part. Alors, changer les choses, ça ne se fera pas simplement. À côté de ces systèmes agro-industriels, on a ce qu'on appelle des systèmes alternatifs, qui coexistent de manière plus ou moins marquée dans toutes les sociétés, y compris en Polynésie. On ne mange pas de la même manière dans une vallée des Australes ou des Marquises que dans l'agglomération, dans la commune de Faa. Très certainement, les systèmes traditionnels, vivriers, d'autoconsommation sont beaucoup plus présents dans ces îles. Mais malgré tout, vous voyez, sont des systèmes qui coexistent, qui cohabitent, avec une dominante forte avec le système agro-industriel. Donc, qu'est-ce que ça sera la transition alimentaire? La transition alimentaire, ça sera de... On ne va pas changer tout du jour au lendemain, ça c'est évident. Ça ne peut être que des évolutions progressives, avec plus de poids pour les systèmes de production et les alimentations de meilleure qualité,
et moins d'impact de ce système agro-industriel qu'il faut effectivement tempérer, modérer, à la fois sur le système productif, hein, l'agriculture. Donc là, on parle maintenant d'agroécologie, on parle d'agriculture biologique, qui est vraiment l'alternative au système agro-industriel, une des alternatives. Et pour ce qui concerne l'alimentation, ben c'est une alimentation avec des régimes beaucoup plus équilibrés. Le régime qu'on conseille aujourd'hui presque au niveau mondial, c'est le flexitarien, c'est-à-dire moins de viande en tout cas, plus de poissons. Bon, on n'interdit rien, mais on essaye de raisonner les choses et d'avoir globalement une alimentation sur des principes plus sains. Une particularité de la transition alimentaire polynésienne, c'est la volonté d'incorporer beaucoup plus de produits locaux dans notre alimentation. C'est quelque chose d'essentiel parce que nos produits locaux ont des qualités diététiques que n'ont pas les autres produits. C'est un des atouts, c'est une des forces de la Polynésie, d'avoir des produits dits traditionnels, vivriers, qui ont des grandes qualités diététiques, à tel point que dans l'environnement, notamment anglo-saxon, on les appelle des superfoods. Ce sont des superfoods, on n'en mange pas assez. Je discutais avec Philippe, qui est présent là devant moi, qui me dit que plus ça va, plus on s'aperçoit que dans le taro, dans le feuilly, dans la patate douce, dans le mapé, on a tout un tas de micronutriments, de vitamines, de minéraux qu'on n'a pas dans le riz, qu'on n'a pas dans le pain blanc, et qui sont extrêmement efficaces et utiles pour la santé. Donc il y a une composante particulière de notre transition alimentaire, c'est à la fois changer notre alimentation sur les principes que j'ai expliqués tout à l'heure et à la fois incorporer beaucoup plus de produits locaux dans notre alimentation. Alors Philippe, justement voilà, pour partir sur cette transition et reprendre ce que tu dis, cette transition ne peut se faire qu'avec... Enfin, cette transition ne peut finalement que s'appuyer sur la collaboration de tous les acteurs, puisque là, il faut intervenir à plusieurs niveaux. La part de l'agriculture, ça va être effectivement de faire en sorte, ou en tout cas de s'assurer qu'il y ait, que les produits locaux soient plus accessibles, soient plus valorisés. Mais je suppose que derrière, c'est aussi une collaboration avec les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement, pour que, comme tu le dis, les changements ne sont pas faciles à impulser, puis ça prend du temps. Donc il faut vraiment que ça soit, je pense, une approche globale, chacun dans son secteur d'activité. Bien sûr. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc j'aurais pu le faire par la suite, mais tu me poses la question, je vais tout de suite aborder le sujet. Donc au-delà donc de dire que c'est une transition entre un système alimentaire vers un autre, effectivement, comment on va faire? Alors tout le monde est concerné. Tous les secteurs d'abord de l'action administrative, de l'action publique sont concernés, et également les acteurs privés, bien sûr, qu'on doit accompagner et qui doivent nous accompagner. Donc sur la partie politique publique, il y a un des éléments importants qu'il faut avoir en tête, et c'est sans doute un des éléments les plus compliqués, c'est le coût de l'alimentation. Aujourd'hui, dans 70% des cas, quand on achète un aliment, statistiquement, c'est d'abord le coût que l'on regarde. Quand on va chaque jour au magasin, évidemment, on regarde ce qu'on achète, on regarde le prix de ce qu'on achète pour manger. Donc, il y a une première démarche qui a consisté à dire faisons des injonctions de bonnes pratiques alimentaires, mangez 5 fruits et légumes par jour, ne mangez pas ceci, mangez plutôt cela, mangez des produits vivriers, achetez du taro au lieu de consommer du riz. Mais combien ça coûte ? Est-ce que le Polynésien moyen ou le Polynésien ayant de milieu modeste, est-ce qu'il peut se payer cette alimentation ? Alors on a eu cette réflexion, on n'a rien inventé, on a regardé la méthodologie de la FAO, puisqu'aujourd'hui les systèmes alimentaires c'est un des sujets majeurs de l'action de la FAO partout dans le monde. Ces questions qu'on se pose nous en Polynésie, tout le monde se les pose. Et donc on a étudié leur méthodologie, on a défini ce que c'était un régime alimentaire sain, on a fait ça avec la direction de la santé, et on a regardé combien ça coûtait. Bon, les premières données que l'on a montrent que 70% en gros de la population polynésienne en termes de revenus, selon la méthodologie FAO, n'aurait pas accès à ce régime alimentaire sain. Bon, c'est un chiffre qui reste à discuter, qui pour le moment n'engage que moi, n'est pas encore, on verra bien si... L'important, ce n'est pas spécialement de communiquer, de diffuser autour de ce chiffre, mais c'est un premier constat. Donc on voit bien que parmi les actions, il y a des actions sur le coût de l'aliment.
Et aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de fonds publics s'adressent à l'alimentation. On a évalué, nous, pour près de 5 milliards, en fait, l'argent public, le budget du pays, qui concerne l'alimentation. On a, par exemple, tout l'appui qui est fait aux cantines scolaires. La CPS finance pour près d'1,5 milliard les repas dans les cantines. Donc c'est de l'argent qui est mis concrètement pour aider les Polynésiens à s'alimenter. La direction des affaires sociales distribue à peu près pour 500 millions de bons alimentaires chaque année. Donc c'est là aussi de l'argent qui est mis pour aider les Polynésiens à s'alimenter. La direction des affaires économiques subventionne. En 2021, c'était à hauteur de 540 millions. Cette année, ça a atteint environ 800 millions pour qu'on paye la farine moins cher et que vous payiez votre baguette, le pain blanc, là, à 55 francs, je crois, 56. Donc tout ça, ça fait rien que ça. Là, c'est des fonds directs hein, qui sont mis directement pour notre alimentation. Donc la question, partant de ce qu'on dit, qu'il faut changer notre alimentation, qu'il faut l'améliorer, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de... voilà, toute ta réflexion en cours. Autre élément, les PPN. Les PPN, ça coûte à peu près 1,5 milliard au pays en moins-value fiscale. Vous savez que les PPN sont des produits non taxés qui sont transportés gratuitement dans toute la Polynésie, sur lesquels les marges sont fixées. Donc ça fait à peu près, on évalue 1,5 milliard les moins-values fiscales liées aux PPN. Alors, une des questions que l'on se pose, c'est que cette politique alimentaire aujourd'hui est à destination de tout le monde. Moi, vous... On achète tous des PPN, pas forcément beaucoup, mais on en achète. Est-ce que c'est bien normal qu'on bénéficie, nous, de prix tout à fait subventionnés? En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, mon niveau de revenu fait que je ne fais pas partie des personnes qu'il faut aider pour s'alimenter. Donc toutes ces questions sont adressées par le plan de transition alimentaire. Donc il y en a d'autres. Il y a également toute la politique de santé. La direction de la santé n'a pas pu être à nos côtés, elle devait l'être, mais la personne, la diététicienne qui s'occupe de cela est en mission à Fidji, justement sur des problèmes d'alimentation. Et donc le but de ce plan de transition alimentaire, c'est mettre aussi en cohérence toutes les actions qui sont menées par les différents services qui s'adressent à l'alimentation. Et la direction de la santé a des programmes communes en santé, écoles en santé et administration active, qui vise à informer la population, informer les enfants également. Et toi, Mani, tu participes également aux classes du goût. Hein, donc il y a aussi l'éducation qui est concernée. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça en cohérence et d'avoir un cadre de travail, avoir une structure de gouvernance, puisqu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est tout le monde et personne. Et donc c'est compliqué pour mettre en place une politique dans ce genre d'organisation. Voilà, donc je oui, merci Philippe. Justement, par rapport à cette question de prix, notre chef qui est présent aujourd'hui, Gabi, est-ce que tu peux nous dire, vous, puisque tu interviens aussi beaucoup auprès de la restauration scolaire, donc forcément cette question de prix peut à un moment donné se poser, notamment lorsqu'on veut encourager l'utilisation de produits locaux. Donc comment est-ce que vous, en tant que chef, toi, dans ton métier, tu peux parer à cette difficulté de prix, ou est-ce que c'est possible ou pas? Enfin, comment concrètement on peut faire avancer les choses, et quelle est toi ta vision de la question? Ouais, merci de poser la question. Merci pour ce résumé de ce qu'on appelle la transition alimentaire et la cinquième transition alimentaire. Depuis 400 000 ans, on traverse différentes transitions alimentaires. La première, c'est le feu. La deuxième, c'est l'agriculture. La troisième, c'est la répartition des tâches. La quatrième, c'est la révolution industrielle. La transition énergétique aussi au niveau des énergies fossiles. Ce qui fait que là, on arrive dans l'anthropocène et la biosphère dans laquelle on vit aujourd'hui, cette atmosphère, cette lithosphère et cette hydrosphère qui est là-bas, le lagon et la terre et la mer nourricière, est en péril par rapport à notre façon de manger et aux activités humaines. C'est bien ça? D'accord. Ok, le constat, il est posé. Et oui, le prix, à chaque fois, on revient sur la problématique de prix. Si vous voulez résumer l'alimentation et les systèmes alimentaires à une problématique de prix, je ne suis pas la bonne personne pour répondre. Voilà. Mais au quotidien, quand vous préparez, quand vous élaborez, vous faites par exemple cantine à l'Unisson, en Nouvelle-Calédonie. Oui, il y a des budgets, voilà, Manili. Mais... Donc si tu vas au magasin, si tu achètes, on est d'accord que tu es sur une problématique de prix.
Je ne sais pas quel est le poids de l'économie non marchande ici en Polynésie française. Je m'explique, on parle de prix. Très bien, ça c'est, moi je suis restaurateur, je vais acheter mes légumes, je fais une marge, bénéficiaire, je paye mes employés, mon infrastructure, je fais des profits. Ça c'est l'économie telle qu'on l'entend actuellement. Maintenant si je vais cueillir ce coco vert sur mon arbre ou la papaye verte que maman m'a épluchée ce matin, enfin la papaye solo, mûre, qu'elle m'a épluchée gentiment ce matin pour me nourrir, quel est le prix de cette papaye? Quel est le prix du fa'apu? Quel est le prix du coco du nia qui est devant moi? Donc, je veux bien répondre à cette question du prix de l'alimentation, mais de quel prix on parle? Moi, je suis plutôt sur quelle valeur on accorde à notre alimentation. Donc, c'est valeur économique, ça c'est le prix. Oui, dans les cantines, ils ont des budgets qu'ils doivent respecter. Et il y a aussi la valeur sociale, il y a la valeur environnementale, et c'est pour ça qu'on parle de durabilité. Quelle est la valeur ajoutée, sociale, environnementale, économique, et de l'économie marchande? Il y a Audrey qui est là, de Food & Cook Lab Montréal. Il y a Ricky aussi qui nous a rejoint sur ces questions-là. On a beaucoup partagé en fait avec ces deux acteurs pendant les symposiums qu'on a organisés. Merci le Fonds Pacifique, la coopération régionale de notre gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Merci aussi la stratégie territoriale de l'innovation de nous avoir financé aussi ces voyages. Merci la CPS, Communauté du Pacifique Sud, de nous avoir permis de nous rencontrer. Et en fait, on a découvert que la valeur ajoutée de notre environnement comestible, elle n'est pas suffisamment utilisée. Elle n'est pas suffisamment exprimée. Donc juste pour resituer un petit peu aussi la façon dont on se nourrit, le prix des choses, le prix de la santé, le prix des subventions accordées, on va dire, à un système actuellement qui fonctionne de moins en moins bien, notamment après des crises Covid, donc résilience alimentaire, on se pose la question de façon un peu plus générale sur ce qu'on appelle la culture alimentaire. Voilà. Le gars qui est au Tuamotu aujourd'hui, qui est parti poupouille et attraper son poisson dans son parc, il n'a pas acheté son poisson. Un demi-litre de lait de coco ce matin, c'était 500 francs. Donc, le système alimentaire, c'est quelque chose de complexe. Nous, avec Pacific Food Lab, Nouvelle-Calédonie, bientôt Tahiti, et là je pars en Nouvelle-Zélande, on a ouvert Pacific Food Lab à l'Université technologique de Auckland, donc Pacific Food Lab à Aotearoa. Ce qu'on veut, c'est prototyper, déterminer, co-construire avec Ricky, Audrey et plein d'autres acteurs, toi Manihi, certainement la DAG et ainsi de suite. On veut co-construire le petit modèle, le prototype. Donc dans une bouchée, dans une recette, dans un modèle de fonctionnement, avec une cantine, avec certains acteurs de la restauration, comme tu fais Audrey, à Food & Cook La Moréa, on veut déterminer le prototype. Donc la façon dont on se nourrit et dont on s'alimente, dont on alimente sur une petite échelle. Le changement d'échelle se situe au niveau des politiques publiques. Nous, pour la communauté que l'on représente, je pense donc nous sommes, je mange donc nous sommes, la conférence d'hier. On veut, avec les finances publiques, dans le cadre de politiques publiques, par des fonds européens, français et certainement d'autres fonds qui sont présents dans le Pacifique Sud, co-construire le modèle d'alimentation, de culture alimentaire dont on a besoin aujourd'hui. D'accord ? Notre souhait, notre objectif, avec différents chefs, avec Manihi, différents acteurs de la région, ce grand océan qui relie les îles du Pacifique, dans un défi majeur du XXIe siècle annoncé par la FAO et l'ONU, c'est de renforcer les capacités, et donc de renforcer les capacités de pratique et renforcer les capacités de changer de comportement, tout simplement. Maintenant, notre pierre à l'édifice, elle se situe à ce niveau, quoi. Et donc, pendant le Salon du Livre, on a proposé des recettes. Pourquoi on parle de recettes? Donc, la façon dont on se nourrit, on a besoin de recettes, notamment de recettes bénéfiques. J'ai pas encore de chiffres, j'aimerais en avoir. C'est quelle est la quantité et vos capacités personnelles de la restauration collective, les vôtres individuellement, d'utiliser les produits d'ici, en circuit quoi? On établit une capacité. Ma capacité et ma compréhension, ma conscience du manger, du ma'a,
à quel niveau elle est et comment je peux la renforcer. Nous, en tant que chef, c'est de pouvoir apporter, comme ils l'ont fait sur le riz à partir de la banane, de renforcer les capacités d'utilisation des produits locaux par les bonnes recettes, les bonnes pratiques, en quelque sorte. Après, les formations, tout le changement d'échelle, ça, ce sont des politiques publiques. Et il y a pléthore, déjà, de personnes engagées dans les institutions, dans les organisations, les associations qui font ce travail. Donc, comment on peut utiliser au mieux, je vais juste prendre un petit exemple et après je te passe le micro, comment on peut utiliser au mieux cette ressource, juste là. Voilà. Et comment ça s'appelle? Quel degré de maturité? Quelle est notre connaissance du coco, qui est l'arbre fondateur avec le ourou, la base alimentaire, top 50 des produits locaux? Est-ce qu'on le connaît bien et est-ce qu'on sait bien le travailler? Voilà. Donc se pose la question de comment faire, et Ricky, tu es un très bon exemple des formations que tu mènes, c'est comment on fait pour utiliser voilà, le basilic qui est là-bas, les fruits de l'arbre à pain, les mangues qui sont tombées hier, les mangues vertes qui sont tombées après la grosse pluie qu'on a eue là. Où est-ce qu'elles sont parties? Gaspillage alimentaire. Donc est-ce que vous avez utilisé les mangues vertes qui sont tombées? Donc voilà, hier on a proposé un chutney. Donc est-ce qu'on a suffisamment de recettes, de connaissances sur les produits locaux et des recettes qui y sont associées? Voilà. J'étais au collège de Punaouya avant-hier faire un cooking class. Il y a 1000 élèves. Donc le chef, tu le connais, ils nourrissent 1000 élèves. Ils ont fait un salad bar. Et donc, sur ce salad bar, on peut retrouver des produits locaux. Dans le menu du restaurant, on peut trouver des produits locaux. Et on a besoin des gouvernements, des institutions pour augmenter, changer d'échelle ce que nous, on fait là, dans cette petite cuisine. Donc voilà. Et puis, Manini, bah, je vais t'offrir un guide. Et c'est marrant qu'on ait cette conversation un peu dans une cuisine qui s'appelle « On va se rencontrer dans la cuisine ». Let's meet in the kitchen. Audrey, je pourrais être via... Merci, Gabi. Donc voilà, ça a été produit donc, pour le Vanuatu, avec des recettes à base de produits locaux pour les mamans. Et il y a Myriam qui est là du Vanuatu qui fait un travail énorme. Et je pense que renforcer les capacités des Iliens, des Océaniens, à utiliser les produits locaux et à comprendre l'alimentation, ce que signifie se nourrir. Je finis par deux phrases. La première, c'est l'alimentation contemporaine, elle est venue avec l'abondance, mais pas le mode d'emploi. En quelque sorte, on apprend à écrire, à lire, à compter, mais est-ce qu'on peut apprendre à manger dans le monde contemporain? Est-ce qu'on peut apprendre à faire à manger dans le monde contemporain? Est-ce qu'on peut apprendre à mieux utiliser l'énergie dans le monde contemporain? Et la deuxième phrase, c'est, je pense que cette phrase, elle est née d'une conversation avec Christian et puis surtout Marie qui a un petit peu organisé les tables rondes. C'est Bria Savarin, la destinée des nations, la destinée de la Polynésie française dépend de la façon dont elle se nourrit. Voilà. Exactement. Merci Gabi. Je crois que ça marche celui-là. Merci beaucoup. Pour aller complètement dans ce que tu disais, je voudrais juste apporter quelques chiffres sans vous inonder non plus, mais l'impact, l'empreinte carbone de la Polynésie a été calculée et par habitant, on est entre 10 et 11 tonnes de CO2 émises par habitant en moyenne. Sur ces 10 à 11 tonnes, l'alimentation représente 2,2 tonnes. Donc c'est loin d'être négligeable. Et il est évident que le plan climat, il y a deux volets. Il y a un volet atténuation, comment on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et un volet adaptation, résilience, comment on s'adapte aux changements globaux qui vont advenir ici, quoi qu'on fasse à l'échelle locale. Et l'alimentation est concernée par ces deux volets, atténuation et adaptation. Je disais 2,2 tonnes, c'est le poids de l'alimentation en moyenne en Polynésie par habitant. Et c'est principalement lié aux importations de viande. Il faut savoir que la Polynésie, on est des gros consommateurs de viande. On est
si je me souviens bien, le quatrième plus gros mangeur de viande au monde, au niveau des États-Unis à peu près. Au niveau du poisson, on est également des gros consommateurs de viande, de poisson, et ce qui est plus compréhensible. Et ça, c'est un chiffre qui est relativement stable sur les dernières décennies. C'est à peu près 40 kilos de poisson consommés par habitant par an. Et ça, ça n'a pas évolué ces dernières décennies. Par contre, la viande est toujours en croissance, la consommation de viande. Donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Sur le volet adaptation-résilience, on voit bien avec le contexte géopolitique mondial que l'alimentation est soumise aussi aux aléas énergétiques, aux aléas sanitaires, aux aléas climatiques. Et donc, si on veut améliorer la résilience de la Polynésie, ça passe par un développement de l'autonomie alimentaire et donc produire davantage localement et consommer davantage localement. Un des écueils, à mes yeux, c'est que les politiques publiques, de manière générale, sont très orientées sur l'offre et donc sur quel modèle agricole on met en place. Et très peu sur la consommation. Et donc, je suis très content de savoir qu'il y a une démarche qui se met en œuvre là, au niveau de la DAC sur la... Le nom exactement de cette transition alimentaire, c'est ça ? Oui, la transition alimentaire, voilà. Voilà, rien d'original. Là. Non. Non, mais c'est important que... dans le sens de ce qui se fait partout. Mais vas-y, continue. Ouais, ouais. Après. Donc, ça va vraiment dans le bon sens, à mon avis. Et ça permettra d'avoir une approche systémique. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de développer l'offre. Il faut aussi que les Polynésiens puissent se l'offrir et la consommer. Et à ce sujet, je voulais justement évoquer une idée qui est en train d'être discutée en ce moment en métropole et qui me semble vraiment intéressante à discuter également ici. C'est l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, mais l'idée générale, c'est de s'appuyer sur le modèle de la sécurité sociale de la santé qui existe déjà et pour laquelle chacun cotise en fonction de ses revenus dans une caisse commune. Et ce qui nous permet d'accéder à des soins au niveau de la médecine, des pharmaciens, à des prix gratuitement ou alors à des prix largement diminués. Et là, il y a un groupe d'agronomes, d'agriculteurs, de consommateurs qui réfléchit à étendre ce modèle de sécurité sociale de la santé à l'alimentation. L'idée, ça serait de cotiser en fonction de nos revenus dans une caisse qui permettrait ensuite de redistribuer à chacun un montant mensuel. En métropole, ils sont partis sur l'idée de 150 euros mensuels qui seraient attribués à chacun et qui permettrait d'accéder à des produits qui sont conventionnés, donc des produits de qualité, locaux majoritairement. Et donc chacun pourrait avoir accès à des produits de qualité. Et ça permettrait d'aider également les agriculteurs à avoir des débouchés et donc à s'assurer un revenu. Et ça me semble intéressant, c'est une approche vraiment systémique qui s'intéresse à la fois aux enjeux agricoles, aux enjeux d'alimentation, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de santé. Et ça serait, à mon avis, pertinent d'avoir des premières discussions à ce sujet ici aussi. Voilà. Et j'ai également une question pour Philippe. Est-ce que sur les 5 milliards dont tu parlais tout à l'heure d'aide à l'alimentation de manière générale, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui de distinguer ce qui va au système agro-industriel et ce qui va au contraire à l'agriculture plus locale et de qualité ? Non, aujourd'hui, on n'a pas cette réponse précise. Hein, mais je voudrais par contre rebondir sur différentes choses qui ont été dites et développer un petit peu donc, le sujet plan de transition alimentaire. Alors d'abord... On a effectivement évalué, on connaît la part de l'autoconsommation dans l'alimentation et tous les chiffres qu'on a pu obtenir montrent que l'autoconsommation est un facteur qui atténue considérablement justement les difficultés d'accessibilité à une alimentation saine et que dès lors qu'on prend en compte dans les calculs, dans les études, l'autoconsommation en tant que telle, on réduit la part des personnes qui effectivement n'y a pas accès. Donc en gros, pour dire que l'autoconsommation est un élément très fort hein, pour contribuer à une alimentation de qualité. Maintenant, on ne peut pas non plus se contenter de dire aux Polynésiens, mais écoutez, vous n'avez qu'à cultiver chez vous vos aliments et puis tout ira bien. Non, mais je sais bien.
je sais bien que tu ne l'as pas dit, mais j'explique que c'est sûr, c'est quelque chose qu'on va conforter. Bon, on s'était posé la question, hein, est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Mais oui, ça va être conforté. Oui, dans les lotissements sociaux, il faut avoir un jardin. Oui, il faut continuer les messages envers les ménages les plus défavorisés ou les plus en difficulté pour qu'ils puissent effectivement produire de l'alimentation chez eux. C'est tout à fait positif. Ensuite, effectivement, on a aussi une approche d'une agriculture avec moins d'impact. Donc on est bien d'accord sur l'impact environnemental de l'agriculture de type agro-industriel et sur les capacités, encore une fois, les atouts qu'on a en Polynésie avec les systèmes de production traditionnels pour justement limiter ces impacts. On pourrait parler du taro irrigué, on pourrait parler du verger de Ouru où les fruits tombent une fois qu'il est en place. Enfin bon, on a tout un tas de systèmes de culture tout à fait intéressants. Dans une deuxième phase, on fera de manière très détaillée l'étude du coût carbone de notre alimentation et des solutions qu'on proposera. Mais c'est quelque chose d'assez complexe, hein, donc ça sera une deuxième phase. Ensuite, je voulais indiquer que oui, effectivement, l'agriculture et les services d'agriculture en Polynésie, et c'est peut-être une certaine originalité, en tout cas à laquelle on tient, on a un travail spécifique sur l'alimentation. Un de nos anciens collègues, Dexter Cave, pour ceux qui le connaissent, et je lui rends hommage, a été celui qui vraiment s'est beaucoup impliqué là-dessus. À l'époque, donc, il a d'abord incité, à l'époque c'était le service développement rural, à construire ce qu'on appelle une halle technologique, une halle pilote, où on a, nous, une petite équipe qui travaille sur des procédés alimentaires nouveaux. À l'époque, il avait beaucoup travaillé sur la purée de feuilles lyophilisées. Tout un tas de purées de produits vivriers lyophilisés, mais d'autres choses ont été faites depuis. Et cette halle, d'ailleurs, on va encore l'accroître, hein, dans sa dimension, parce qu'on voit bien que c'est une composante essentielle. Donc, par exemple, notre travail là actuellement pour essayer de trouver un substitut au riz à partir de bananes vertes est relayé dans notre unité d'industrie agroalimentaire de Papara, dans nos laboratoires. Donc c'est effectivement tout ça qui est en jeu. On est bien d'accord sur les difficultés. On est bien d'accord sur que ce n'est pas qu'une question économique. Et c'est vrai que le savoir-faire, c'est essentiel. Il y a savoir cuisiner, c'est important. Ou en tout cas, avoir des services collectifs de restauration qui produisent une alimentation de qualité, c'est également essentiel. Donc tout ça sont des sujets sur lesquels nous on travaille et qui font partie donc de ce plan de transition alimentaire sur lequel on réfléchit. Alors, on voit effectivement oui des solutions comme la sécurité sociale alimentaire qui sont intéressantes. Aujourd'hui on est au début. Nous on interpelle nos collègues des autres services pour leur dire est-ce que vous êtes prêts à faire bouger les choses. Et puis au final ça sera des décisions politiques. Donc on est en plein travail là-dessus. Merci Philippe. Oui, Gabi ? Oui, je pense que tu veux parler des mesures incitatives. Il y a plein d'exemples à travers le monde. Hein. Et forcément, chaque île, chaque individu doit construire sa propre culture alimentaire aussi, quoi. Maintenant, c'est l'humain qui est à l'origine, j'allais dire, de cette transition alimentaire, de ce système alimentaire. C'est l'humain qui est à l'origine de cette ville qui a été construite ici et qu'on appelle Papeete. C'est l'humain qui doit relever le défi de mieux alimenter les villes. 80% de la population sera dans les villes en 2050. Donc 80% de population à alimenter en 2050 dans les villes, c'est aussi un des enjeux. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai mon oncle Libor Prokop, Teahonui, famille Tehuotoa, qui a ressorti des phrases anciennes et des paraboles, en quelque sorte. Il y a une qui dit « On ne peut pas planter un taro avec la langue. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu choquant comme phrase. Mais c'est qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, l'alimentation, c'est une expérience. On peut parler d'alimentation, mais quoi qu'il arrive, chacun d'entre nous, avec notre fourchette, dans notre faapu, avec nos mesures incitatives, avec nos capacités, de là où on se situe, on peut faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. De toute manière, parler d'alimentation et puis de non-alimentation. Sobriété savoureuse. Manger, c'est bien, mais un estomac vide,
c'est important aussi, avoir faim, ne pas manger par anticipation, ne pas manger parce que j'ai peur de manquer, d'accord ? Eh bien, moi je pense, personnellement, et je suis convaincu de ça, c'est qu'on doit reconstituer une nouvelle pirogue, un marae, une organisation, une nouvelle organisation, avec un pilotage, un modèle de gouvernance, une façon de faire, une façon de nous alimenter, qui est dans l'entraide. C'est-à-dire que le défi, il est tellement grand que même si je ne vous connais pas, madame, eh ben, on est relié par la biosphère. On est relié par la culture. Et que si on ne fait pas culture tous les deux, si on ne fait pas société, ou moi avec ma famille et maman, qui a compris beaucoup de choses, malheureusement, un peu tard, eh ben, je vais tourner de façon plus positive. Si on fait ensemble, ça va être plus facile. Et on va aller plus loin. C'est ça le truc. Donc, le sujet de l'alimentation, j'allais dire, peu importe le sujet, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse et le goût des choses et le plaisir de manger de façon sobre et savoureuse. Mais en quoi nos capacités de relation et de faire ensemble des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, on va pouvoir renforcer cette capacité? Donc le tahitien, il appelle ça le tahoe, faire glisser la pirogue, faire ensemble. C'est-à-dire que quelle énergie collective on est en train de mettre en place pour engager ce changement et cette transition. Et la dernière chose, c'est quand même plaisant de faire à manger. C'est plaisant d'aller récolter un fruit. C'est plaisant d'avoir un projet comme Ricky, là, il cherche 20 hectares pour planter. Les mesures incitatives, les beaux ruraux, il y a eu plein de... Donc si Ricky, tu as tes 20 hectares, tu plantes, ben, tu vas t'éclater, tu vas te faire plaisir. Tu vas emmener du monde dans ton enthousiasme. Voilà. Donc la façon dont on se nourrit, de façon sobre, savoureuse, enthousiaste, la façon dont on nourrit le bien commun, okay, va déterminer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pas celui de demain, il faut agir maintenant. Et on va déterminer aussi ce que les générations à venir, elles vont pouvoir vivre et manger. Et je leur souhaite, comme héritage, une belle culture alimentaire, des bonnes recettes, une bonne façon de faire, une bonne façon de faire culture. On a déjà relevé des défis en tant que Polynésiens, on a déjà relevé des défis en tant qu'Océaniens. On a pris déjà des chocs, on a des capacités. Et c'est ça qu'il faut aller chercher en chacun d'entre nous, que ce soit avec des gouvernements, des institutions. Le défi, il est tellement gros que de toute manière, sans jeu de mots, on va devoir faire ensemble. Et c'est plaisant. Il y a une façon de faire. Allez à Food & Cook Lab, allez voir Ricky, il y a plein de personnes. Manihi, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous accueillir, merci du Salon du Livre. Merci Gabi, quelque part sur ces mots, nous allons clôturer cette conversation, mais nous allons continuer après avec le public s'il y a des questions. Juste un dernier mot, oui, Philippe. Un dernier mot important, par rapport à ce que tu disais sur consommation de viande, consommation de poisson. Bon, il se trouve que là aussi, nos premières réflexions, premières études sur le plan de transition alimentaire, et ça surprendra peut-être personne, mais il faut le dire, une des solutions certainement pour améliorer notre alimentation, c'est de manger beaucoup plus de poissons encore. Davantage baser notre alimentation sur le poisson. Aujourd'hui, c'est une ressource en réalité sous-utilisée en Polynésie pour différentes raisons. Certes, très autoconsommée, mais en termes de circuit de commercialisation, notamment du poisson de lagon, il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est une des voies, nous, à laquelle on réfléchit pour diminuer aussi le coût de l'alimentation. C'est une ressource de protéines animales qui nous permettra certainement d'avancer positivement. Voilà, donc c'était juste pour apporter ce complément. Merci à tous, merci messieurs. Nous allons juste continuer avec le public pour les questions, mais je pense que le live est terminé. Et comme l'a si bien dit Gabi, et je pense que c'est quelque chose qui demeure vrai, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et effectivement, on est à ce moment charnière où chacun peut faire quelque chose à son niveau.